Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va terminer, je pense, notre aqueduc romain. Et vous voyez, c'est technique et rigide, mais c'est solide, ok? Nos ellipses sont extrêmement solides. Il y a des petites variations que je pourrais régler, comme ici, je trouve qu'elle penche un petit peu trop. Ici, elle est tangente un petit peu trop longtemps. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne, donc c'est très solide, mais c'est trop technique, trop rigide. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est le rendre plus organique. On va rajouter, on va s'inspirer de cette photo, d'accord? De laquelle je me suis inspiré pour faire l'aqueduc. Et donc, on va s'inspirer de cette photo pour mettre des arbres, mettre des pierres, mettre des excroissances, des bouts de machin qui dépassent, de longues portées, les montagnes derrière, ok? Prêt, prête? Allez, on y va! Alors pour ça, on va utiliser le petit fil magique. C'est du fil de couture élastique, ok? Et donc on va se servir de ce fil de couture-là élastique. Ça se vend sur Amazon, ça se vend dans votre boutique de couture préférée. Et on va aller d'un point de fuite à l'autre, les fixer sur les points de fuite et passer un trombone à l'intérieur, et on va s'en servir comme guide pour rapidement continuer à dessiner, et cette fois-ci à main levée. Donc je vais le couper et puis je vais le fixer avec du scotch tape ou avec des punaises si c'est pas une table à dessin. Si par exemple vous êtes sur du bois, vous pouvez utiliser des punaises. Ici également, c'est important que le point d'attache, le point d'appui soit au niveau du point de fuite, ok? C'est-à-dire que le point d'ancrage ici, vous voyez, c'est au point de fuite de gauche et ici au point de fuite de droite. Donc c'est pour ça que je le tape juste à gauche. Et ensuite, on va utiliser trombone et c'est parti mon kiki. Il suffit de l'installer, de l'insérer, d'insérer le fil à l'intérieur du dit trombone. Et voilà. Et maintenant, je peux trouver toutes mes lignes qui vont vers le point de fuite. Et je vais juste corriger cette ellipse. Par exemple, je trouve qu'elle est un peu bancale. Alors, on y va. Ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est créer des excroissances ici, comme vous voyez, des bouts de pierre qui dépassent. Et je vais utiliser la référence, c'est-à-dire là où l'ellipse commence, pour le faire, ok? Mais je vais le faire, donc je vais utiliser cette ligne-là comme référence, mais je vais le faire dépasser un peu, ok? Donc, il va dépasser un petit peu vers la gauche, et ensuite, il va revenir. Ça va? Je suis au-dessus de la ligne d'horizon, donc je ne vois pas le dessus, je vois le dessous, ok? Donc, la ligne va aller vers le haut, celle qui fait la petite excroissance, ok? Mais c'est très faible, ok? Voilà, ensuite, j'ai une ligne qui fait ça. Ensuite, j'ai une verticale. La même ligne, plus bas. Qu'elle aille jusque le bas. C'est très faible, je vois ça ici. Ok. Et puis je vais en faire une qui, elle, fait juste sortir avec un certain angle d'ici. Ok. Donc elle fait ça. Ensuite, ça fait ça. Ensuite, ça fait ça. Et ici, ça dépasse un peu. Et ça fait ça. Ok. Donc vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. Ouais. Et puis ici, on va faire des lignes de briques.
faire un rebord. Voilà, j'ai besoin d'un rebord en haut aussi. Ici aussi. Donc voilà, on a fait des bouts de pierre en haut, des bouts de pierre en bas ici. Je vais faire une petite corniche ici, okay, qui dépasse un peu. Donc je vais faire ça et j'aimerais qu'elle ait une dimension comme ça. Le même angle ici, comme ça. Voilà. Voilà mon point. Je l'ai ici, je l'ai là. Je vais aller chercher ce point-là à l'autre bout. Ici, ici, ici et ici. Et maintenant, je peux faire mes lignes qui vont vers l'axe des X. Okay. Là, je suis en dessous de la ligne d'horizon, donc je suis censé voir un tout petit peu le dessus. Puis on fera après des petites excroissances à l'œil de chaque côté, ok. Je vais faire des On a pas mal nos guides pour en bas. On va faire celui du haut maintenant. Alors en haut, j'aimerais créer, j'ai par exemple, j'aimerais lui faire une excroissance ici qui va jusque là, qui fait cette taille là, qui va dans le sens de la courbe. Et donc l'autre ligne, ici, ces lignes-là, en fait, parce que c'est un plan incliné, ça ne va pas vers le point de fuite de droite, ok? Ça va vers un point qui se trouve sur une verticale ici, ok? Je crois qu'on l'a vu, ça, je sais pas, je vais faire une capsule là-dessus, sur les plans inclinés. Donc en fait, ces lignes-là, on va les faire à l'œil, ça fait ça, à peu près, ok? Même chose ici, ça fait ça. Ok, parce que non, ici c'est pas un plan incliné, alors ça va. Et oui, il est un petit peu incliné. Il est un petit peu incliné, donc ça fait quelque chose comme ça. Ok, c'est pas grand chose, mais ça fait quand même une différence. Et ici, eh bien, ça va aussi vers le même plan incliné, puis avoir un petit peu d'ombre portée ici. Donc je vais aller porter ce point là. Salut Zaza, je vous présente Zaza Buster, c'est ma nouvelle chatte. Salut Zaza, elle est géniale. C'est la première fois qu'elle grimpe sur la table. Allô Zaza. Donc, elle s'appelle Zaza Buster, elle a un nom de famille. Okay. Et elle aime pas se faire prendre comme ça, elle aime pas ça du tout. Regarde. Allô. Ok. Donc, courbe comme ça, courbe comme ça, courbe et courbe, plan incliné qui va converger. Je vais lui faire aussi une petite corniche en bas.
Et donc on a nos guides pour les briques. Et puis j'ai besoin de mes guides pour la brique comme ça. Ok, donc j'ai à peu près toutes mes constructions, il me reste des belles verticales ici. Oups, c'est pas très vertical. Et ça, c'est quand même important que ça soit bien vertical. Sinon, on va en pâtir. Évidemment, ça va en se rapprochant, hein, parce qu'on s'éloigne, donc la distance, la largeur des briques diminue à cause de la perspective. Donc il faut réfléchir à ça également. Okay. Mais pour l'instant, ce ne sont que des guides. C'est quand je vais dessiner mes briques que je vais les faire plus petites ou plus grandes. Pas mal terminé nos guides et puis maintenant on va faire des montagnes, on va mettre des petits arbres. Alors on y va. J'ai envie ici par exemple de créer une branche, tiens, qui fait ça comme ça, ok, et puis qui a un feuillu comme ça. Pour l'instant je fais juste délimiter. Ce qui veut dire que tout ça est effacé, donc tout ça n'apparaîtra plus, ça va être du feuillu. Donc je vais l'estomper déjà. De l'autre côté, j'aimerais un feuillu qui fasse ça. Pas feuillu, là ça va être comme des montagnes, ok. Et ça continue par ici, donc je devrais le voir là, ici comme ça, ici, et puis ça continue jusque là, ok. Là, on devrait voir quelque chose comme ça. Okay. Donc ça fait ça, et ça vient jusque là. Ici, par exemple, j'aimerais avoir une grosse masse rocheuse. J'aimerais mettre quelques petits bateaux, donc on va le faire. Donc là, ça nous donne tout d'un coup une idée de l'échelle, vous voyez. Tout d'un coup, on réalise que c'est gros cette affaire-là. J'ai fini avec mes guides, donc je peux les enlever maintenant. Et donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est rajouter plein de petits détails et penser à l'ombre et la lumière. Ça, c'est important, l'ombre et la lumière. Ok, donc on va considérer que la lumière vient de là. Ok, donc du côté droit vers la montagne, un petit peu derrière la montagne. Et donc on va commencer à indiquer les zones, séparer les masses de lumière des masses d'ombre. D'accord ? Ça vient jusqu'au mur. Donc maintenant j'ai la liberté enfin de pouvoir bouger mon papier. J'ai plus besoin de mes points de fuite en théorie. Ok, donc si le soleil vient de là, je vais créer des zones d'ombre. Il y aura plein de petites zonettes dans l'ombre. Enfin, on va créer des comment dire, on va créer des masses de feuilles ou d'arbres ou de, ok.
Ici, j'aimerais qu'on voit les arbres. Donc, j'aimerais voir des troncs. Je partirais, on va dire, ça va être des pierres. Donc, ça partirait environ d'ici. Quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, j'aimerais créer des petites aspérités. Vous allez voir, c'est assez magique. En fait, ce qui est important, c'est de créer l'ombre qu'il y a, l'ombre portée. Et tout de suite, ça ressort. Si vous le voyez, hein, tout de suite, ça ressort dès que vous avez ce type d'ombre portée. On va en faire pas beaucoup en bas, mais en haut. C'est instantané, hein, ce que ça fait, c'est vraiment cool. Ah oui, puis j'ai besoin d'une arche ici. Ici, c'est l'emportée de l'aqueduc, vous voyez. Donc il faut qu'on se voit, là on doit voir qu'ici c'est tout noir. Parce que c'est l'emportée de l'aqueduc. Et ici aussi j'ai de l'emportée qui fait quelque chose comme ça. Ok. Et tout ça ici, ça va être de la végétation qu'on divise en plusieurs morceaux, plusieurs blocs. Et puis j'aimerais mettre quelques branches principales comme ça, okay, juste pour me guider. Ici, ça va être beaucoup plus précis. Donc vous voyez, je vais avoir une forme, je vais faire quelque chose comme ça. Donc, plus je suis proche de moi, plus on va avoir des détails. Donc ici on va avoir des feuilles beaucoup plus précises, et plus on s'éloigne, moins on voit des feuilles. Okay. Mais puis ici, ouais, j'aimerais donc
Diviser ça en morceaux. Voilà, laissez-moi voir de loin. C'est joli, ok. Pour le ciel, on verra bien. Ce que je veux faire ici, j'ai aussi de longue portée. Et ça, c'est des montagnes avec des morceaux. Des arbres en fait très denses parce qu'ils sont loin, d'accord. Donc ça va être essentiellement des taches comme ça, okay, des bosquets parce que ce sont des arbres très loin. Et donc voilà, pas mal terminé pour le crayonné, ça nous donne tous les guides nécessaires, ok. On a ce qu'il faut maintenant pour mettre ça au propre. Prochain chapitre, peut-être faire ça à langue de Chine avec peut-être un lavis d'aquarelle. Tiens, laissez-moi dans le commentaire, dites-moi en commentaire. Si vous voulez qu'on le fasse à l'aquarelle, qu'on mette un lavis d'aquarelle ou non. Je ne ferai pas une aquarelle réaliste parce que c'est difficile, je ne suis pas encore tout à fait rendu là, quoique j'apprends beaucoup. Mais faire un lavis d'aquarelle, ça pourrait être très joli. Et puis je pourrais vous montrer comment faire un ciel, un beau ciel bleu avec un petit nuage, avec une technique de mouiller sur mouiller. Et on va faire les détails, ça prend du temps, c'est long de faire les détails, mais c'est toujours comme ça, vous voyez. Quand vous regardez sur Instagram un dessin bien fait, ce qu'on vous montre pas souvent, on vous montre juste un timelapse, quelque chose de rapide, mais ce qu'on vous dit pas, c'est que ça a pris des heures, c'est long de dessiner, là, ça prend du temps, puis il faut penser à chaque détail, surtout quand on se rapproche vers le dessin réaliste. Mais bon, donc voilà, pas mal content du résultat, puis comme vous pouvez constater, c'est beaucoup plus organique maintenant, et vous allez voir surtout à langue des Chines, quand on va commencer à mettre des petites aspérités, des imperfections dans les... dans les briques, des petites choses comme ça, ça va tout de suite donner une grande différence. Okay? Mais déjà, c'est pas mal. Puis l'idée, c'est qu'il faut s'éloigner, regarder ça de loin comme ça, puis se dire, ouais, ça, au début, j'aime bien la composition, super. Okay? Le challenge pour moi, ça va être de faire l'eau. C'est pas facile à faire. Donc, je vais probablement le laisser comme ça, juste avec un petit peu de réflexion pour donner cette impression que c'est de l'eau, parce que je ne sais pas encore très très bien dessiner l'eau, c'est vraiment difficile, enfin moi je trouve, okay. Donc voilà, alors j'espère que le chapitre 3 vous a plu. Donc vous voyez, on est passé de technique assez ardue ou comment je dirais ça, dry en anglais, ok, une technique un peu aride, voilà, un peu aride de perspective. Mais ça permet, ça fait en sorte que nos ellipses, la base est très solide, un peu comme cet aqueduc qui est très très solide. J'aurais pu faire un troisième étage ici, mais vous allez imaginer, j'avais calculé 4 arches entre chaque pilier ici. Donc ça, on aurait fait des arches là, et puis là, bon, j'en avais un petit peu marre. Ok, ça prend du temps. Donc voilà, alors bonne pratique, amusez-vous. C'est le moment maintenant de laisser aller votre créativité, ou de vous inspirer d'une photo, ou de ce que vous avez vu, d'une photo que vous avez prise potentiellement, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Et on se voit donc au chapitre 4, où on va le terminer au propre, au moins à langue de Chine, peut-être un lavis d'aquarelle. C'est bon? Allez, ciao, pays guérison.